Le Moto Magazine du mois de février est disponible dans vos kiosques. Alors, au sommaire, ce mois-ci, en actualité, une belle victoire pour la FFMC et la FEMA. Le contrôle technique est repoussé à 2022 et la circulation interfile va être expérimentée. Mais le combat reste entier. Le 1er février, manifestation sur Paris pour la circulation et le stationnement. La FFMC compte sur vous. J'invite donc tous les usagers de deux roues motorisées à rejoindre la FFMC, les bikers, les motards, les motoclubs, les scooters, tout le monde, les trois roues. Si on ne bouge pas tous, ça va vraiment nous créer de vrais problèmes. Et on va finir là-dessus. Moi, là-dessus, c'est hors de question. Vous êtes d'accord avec moi? En nouveauté, les essais nous présentent la BMW 1200 RT, une véritable reine de la route. Mais il n'y a pas que BMW dans la vie. Kawasaki nous présente sa nouvelle Z1000, Honda, la CBR1000RR SP, la précision est importante, et enfin du nouveau, avec la Suzuki 1000 V-Strom. Regardez plutôt. Bah salut à tous, bienvenue en Espagne, sur les petites routes d'Almeria pour la présentation presse de la Suzuki V-Strom. Et puis retour aux fondamentaux avec un sujet sur un sidecar néo-rétro. Comparatif. Le tourisme se décline aujourd'hui dans tous les genres, de la plus fun à la plus confortable. Retrouvez un sujet plein de surprises. Choisissez une de ces machines et venez avec nous au Pérou. Notre sujet évasion nous emmène sur 2000 km dans la cordillère des Andes. Faire débuter son enfant en compétition dès 6 ans, c'est possible, s'il en a envie. Mais pour éviter les déconvenues, notre enquête de ce mois-ci vous donne de très bons conseils à ce sujet. Dossier équipement, 8 produits chauffants, gants, pantalons, sous-veste, gadgets, tout ça. Pour les grands rouleurs, je peux vous assurer que ces produits sont la solution, un sujet à découvrir. Encore un numéro indispensable. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger pour le lire ainsi sur un support numérique et bien sûr l'acquérir en kiosque. Alors, ce motomagazine, vous le lirez comment ?